Bonjour, bienvenue pour notre première émission AQC TV Live sur la chaîne YouTube de l'Agence Qualité Construction. C'est une émission bimestrielle, donc je rappelle que bimestrielle, ça veut dire une fois tous les deux mois. La prochaine fois, ce sera le premier vendredi du mois pair, donc le 7 décembre. Dès à présent, je vous propose de regarder le programme que l'on vous propose. Avec nous, Philippe Estingois, directeur général de l'Agence Qualité Construction. Je vous laisse, bien sûr, dire quelques mots. Bonjour à tous. Donc, c'est avec très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'Agence Qualité Construction pour cette première d'AQC TV Live. Donc, cette première d'AQC TV Live a été mise en place parce que nous avons donc une très belle réussite de notre chaîne AQC TV, donc, qui nous avons ouverte il y a maintenant 2 ans et pour laquelle nous avons déjà plus de 5600 abonnés. La volonté de l'Agence Qualité Construction de communiquer de l'ensemble de son savoir, donc ça participe donc, à cette communication. AQC TV Live va développer de très nombreuses informations sur ce que l'on met à disposition donc, des différents acteurs, de vous. Elle va vous inviter à aller regarder un petit peu plus donc, ce que nous pouvons créer, donc à la fois sur AQC TV et d'autre part sur notre site internet. Je vous souhaite une bonne émission et puis à nous revoir très rapidement. Merci Philippe Estingois, directeur général de l'Agence Qualité Construction. Je vous propose qu'on aborde tout de suite notre premier thème sur la formation et la mallette pédagogique. Donc vous allez regarder une vidéo. De retour sur le plateau d'AQC TV Live, j'ai avec moi Martin Guerre, chef de projet dispositif REX-BP. REX-BP comme retour d'expérience des bâtiments performants. Martin, quel est l'objectif de cette mallette qui nous a été présentée? Alors l'objectif est simple, il est d'aider les formateurs en leur fournissant de la matière pédagogique pour qu'ils puissent créer leur support de cours, de formation. Est-ce que les formateurs sont les seules cibles de cette mallette? Alors, pas uniquement, c'est notre cible principale, les formateurs, les enseignants, les étudiants aussi, puisque les étudiants peuvent avoir besoin de matériel pédagogique pour des exposés, des travaux. Et plus généralement, tous les acteurs de la construction peuvent être intéressés par cet outil pour s'auto-former. Et alors, quelles sont les sources? D'où viennent toutes ces informations? Alors, c'est de l'information qui provient du terrain, hein. C'est nos retours d'expérience, terrain, les visites que l'on mène dans les bâtiments performants, dans le cadre du dispositif REX bâtiments performants, qui servent à alimenter cette mallette. Donc, ce sont des photos, des témoignages, des mesures qu'on fait in situ, qui sont analysées et ensuite valorisées dans cet outil. Quelles sont les rubriques les plus téléchargées?
Alors aujourd'hui, les études de cas arrivent en tête, hein, puisque c'est prêt à l'emploi, donc les formateurs peuvent mettre à disposition des étudiants des situations concrètes et les faire réagir. Les QCM aussi, prêt à l'emploi, marchent bien, donc ils sont très utilisés par les formateurs pour tester les connaissances en fin de parcours. Nos rapports thématiques, REX Bâtiment Performant, ont aussi la cote. Et puis, pour finir, les photos, les illustrations, tous ces petits éléments qu'on met à disposition sont assez prisés des formateurs. Et on retrouve tout cela sur Internet. C'est facile, c'est accessible? Très facile d'accès sur Internet, donc en ligne. C'est un outil qui est mis à jour très régulièrement, hein, tous les mois et demi. Donc il ne faut pas hésiter à y aller et en abuser. Merci Martin pour ce sujet. Autre sujet similaire, donc on est sur les outils numériques, Internet, les smartphones. Je vais accueillir Arnaud Meyer, responsable des études techniques, qui va nous rejoindre juste après une petite présentation. Donc bonjour à tous, je suis Arnaud Meyer de l'Observatoire de la qualité de la construction. Donc dans ma rubrique, on va parler des actualités de l'appli QC et des outils numériques développés par la QC. Donc je suppose que vous avez déjà tous téléchargé donc l'appli QC. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, petit rappel, donc l'appli QC, c'est une boîte à outils qui regroupe l'ensemble des outils numériques de la QC et qui permet d'avoir partout avec soi, presque toutes les publications de la QC. On va y retrouver notamment les fiches pathologie bâtiment, on va retrouver les fiches qualité réglementaire ou encore la mallette pédagogique du REX bâtiment performant. Déjà 8 outils sont disponibles sur l'appli QC, alors n'hésitez pas à la télécharger. On va la faire évoluer régulièrement afin d'optimiser les contenus ainsi que l'ergonomie. La prochaine mise à jour est d'ailleurs prévue au début de l'année prochaine. Il va s'agir donc d'une refonte graphique, mais on va également ajouter de nouvelles fonctionnalités que j'aurai le plaisir de vous présenter lors de nos prochains lives. Je sais, il va falloir être patient, mais je peux déjà vous dire que la grande nouveauté, ça va être Vigisnap, donc qui est la première application d'envoi et de partage de désordre dans le bâtiment. En développant ce nouvel outil, unique en son genre, la QC souhaite mobiliser les acteurs du bâtiment afin d'enrichir ensemble la connaissance des pathologies récurrentes pour une montée en compétence de tous les professionnels. Lors du prochain live, je vous présenterai cet outil et je vous ferai un point régulier dans cette rubrique sur les photos et les cas techniques les plus intéressants que nous recevrons. En attendant, je vous dis rendez-vous en décembre et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Arnaud. Donc, tous à vos smartphones, appli QC. Autre outil que l'on va vous présenter, ce sont les calepins de chantier réalisés par le programme PACT. Je vous propose de regarder cette vidéo. Alors, les calepins de chantier sont utilisés dans notre entreprise surtout pour, j'oserais dire, faire une piqûre de rappel à nos jeunes entrants qui ont eu des formations, notamment sur l'isolation thermique par l'extérieur, dans d'autres cadres que celui de l'entreprise. Et donc, on trouve la nécessité, effectivement, de faire un rappel des bonnes règles d'application des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, puisque ces systèmes sont relativement complexes, que les règles évoluent au fil du temps et donc il est bon de mettre à jour les connaissances de nos collaborateurs et de nos compagnons sur le chantier. Alors, on a plusieurs formats d'utilisation. Un format papier qui est en main des chefs d'équipe et on a aussi un format sous forme numérique sur tablette qui est le plus souvent utilisé par nos conducteurs de travaux pour justement, lors de la venue d'un nouvel entrant, profiter de prendre à la fois le chef d'équipe et le nouvel entrant et repasser en revue les règles de base d'installation, par exemple, de l'isolation thermique par l'extérieur. Et c'est un bon moyen de faire une révision des connaissances techniques. On n'a pas envie d'avoir effectivement une sinistralité liée à la méconnaissance de l'évolution des techniques de pose sur l'isolation. Donc ça, c'est important. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple, puisque sur le calepin, on retrouve des schémas très explicites qui sont en parfaite concordance avec la mise en œuvre de l'isolation thermique par l'extérieur aujourd'hui.
Nos conducteurs de travaux donc, ont la possibilité, via leur tablette, de se connecter sur le net et d'aller chercher ces calepins de chantier à tout moment, notamment sur le site du programme PACT ou bien sur le site de la Fédération française du bâtiment. Retour sur le plateau d'AQC TV Live. J'accueille Thierry Touzard, artisan du bâtiment, pour nous parler des calepins de chantier. Vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Thierry Touzard, je suis artisan électricien dans l'Isère. Je représente les artisans au sein des calepins de chantier, des travaux sur les calepins de chantier, au nom de l'UNA 3E de la CAPEB. Voilà. Donc, ces calepins de chantier, ils sont pour qui, finalement ? Alors, ces calepins, ils sont principalement dirigés vers tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, que ce soit les artisans ou que ce soit leurs compagnons. Comment ont-ils été réalisés et puis validés ? Alors, ils ont été réalisés par un groupe de travail, par des groupes de travail en fonction des divers calepins de chantier. Dans ces groupes de travail, il y avait bien entendu des gens de l'AQC, mais il y avait aussi des artisans comme moi. Il y avait aussi des gens d'autres instances qui travaillent autour de tout ce qui est économie d'énergie et des personnes qui étaient là pour faire la mise en page, pour faire tout ce qui est dessin, etc. Quels sont les thèmes qui sont traités ? Alors, bien sûr, il y a ceux sur lesquels vous avez travaillé. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, personnellement, je connais surtout celui de la ventilation double flux, celui de la ventilation répartie et du chauffe-eau thermodynamique. Mais il y a des calepins de chantier dans tous les corps du bâtiment. Il y a des calepins de chantier qui sont techniques, donc ceux sur lesquels j'ai pu travailler, sur lesquels on va rajouter le photovoltaïque, on va rajouter tout ce qui est pompe à chaleur, etc. Et il y a ceux qui sont sur le bâti lui-même, donc l'isolation, les fenêtres et tout ce qui est ossature bois. Alors, comment se les procurer, j'imagine, entre autres avec ces petits appareils, mais allez-y. Alors, l'idée, c'est comme l'a dit dans la vidéo précédente mon camarade Bruno, c'est d'aller sur le site internet du programme PACT. Et là, vous pourrez télécharger tous les calepins de chantier qui sont déjà à votre disposition, sachant que d'autres arrivent encore. Merci Thierry Touzard pour ce témoignage d'homme de terrain, hein, on peut le dire. Nouvelle rubrique, je vais accueillir Gaëlle Darchène, qui est la rédactrice en chef de la revue Qualité Construction. Donc, regardez juste un petit peu, feuilletez avec nous cette revue en attendant. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Darchène, rédactrice en chef de la revue Qualité Construction. Cette revue est donc éditée par l'AQC et elle s'adresse aux professionnels du bâtiment et particulièrement aux prescripteurs, qu'ils soient maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre. Donc, dans la lignée globale de la mission de l'AQC, nous nous attachons beaucoup dans la revue aux bonnes pratiques et aux retours d'expérience. Et donc, tous les 2 mois, nous tentons d'apporter une information pertinente pour prévenir désordres et pathologies, pour maîtriser tous les procédés innovants, pour suivre l'évolution des textes de référence et pour expliquer également les responsabilités juridiques des professionnels. Et puis, bien sûr, pour accompagner toutes les évolutions dans le bâtiment de demain. Voilà, donc, dans le dernier numéro, vous allez pouvoir retrouver des articles sur la mutation des réseaux de chaleur et de froid vers les énergies renouvelables, sur la surélévation en zone urbaine, sur la réversibilité des bâtiments, également un retour d'expérience sur les principales pathologies des menuiseries extérieures, et puis bien d'autres articles. Et puis notamment un article qui fait l'objet de mon mini-zoom d'aujourd'hui sur les dispositions constructives des façades bois vis-à-vis du risque incendie. Alors, tout le monde connaît l'instruction technique numéro 249, communément appelée IT249, qui a été révisée en 2010 et qui vise à limiter le risque de propagation du feu par les façades. Donc bien sûr, l'IT249 consacre un paragraphe à la conception et à la mise en œuvre des façades bois, mais pour autant, les principaux acteurs de la filière bois ont voulu aller plus loin et mettre à disposition des bâtisseurs des solutions bois fiabilisées et optimisées vis-à-vis du risque de propagation du feu par les façades. Donc ce travail conséquent a été mené et cet outil est aujourd'hui disponible. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger sur Internet. C'est le guide bois construction et propagation du feu par les façades version 1.1. Et c'est aujourd'hui la référence des professionnels en matière de sécurité incendie des façades à base de bois. Donc, il passe notamment en revue une 20aine de façades bois avec bardage ventilé.
Et notre article, dans le dernier numéro, restitue les principales dispositions constructives retenues. Et puis, cet article, vous pouvez le lire, puisqu'à chaque numéro de notre revue, nous offrons un article en lecture gratuite. Donc, vous pouvez télécharger cet article sur notre site Internet. Et si, par ailleurs, vous êtes également abonné à nos réseaux sociaux Twitter et LinkedIn, eh bien, nous postons aussi tous les deux mois le lien pour accéder à cet article gratuit. Et bien du coup, je vous souhaite une très bonne lecture à tous et je vous dis au prochain AQC Live pour un autre Zoom. Merci Gaëlle Darchène, rédactrice en chef. Donc on peut lire ces articles techniques, juridiques, ces fiches pratiques. On peut même les lire sur Internet assez facilement. Autre sujet d'actualité que je vous propose, un sujet important, le rôle du contrôle technique pour les opérations de construction. Regardez cette vidéo. Alors, le rôle du contrôleur technique, c'est de contribuer à la prévention des aléas techniques en phase conception, en phase exécution. On lui confie deux types de missions, les missions de base qui sont la mission de solidité, de sécurité incendie, d'accessibilité handicapée, des missions complémentaires en fonction de la typologie du chantier. Ça peut être de la thermique, de l'acoustique, du parasismique. La mission de contrôle technique se déroule en conception et en exécution. En conception, le contrôleur technique rédige un rapport initial de contrôle technique, appelé RICT, et en phase d'exécution, elle se décompose en deux parties. La première, des visas sur documents et des visites sur site. Les entreprises doivent nous fournir pendant le chantier l'ensemble de leurs documents d'exécution, à savoir des plans, des fiches techniques, des avis techniques, des matériaux mis en place, pour que nous puissions formuler un avis et s'assurer de la conformité des ouvrages. Les fiches COPREC n'existent plus, elles ont été remplacées par les attestations d'essai de fonctionnement de l'AQC. Et évidemment, dans le cadre de sa mission, le contrôleur technique a besoin de ces attestations. Les innovations dans le métier de contrôle technique sont de deux ordres, des innovations techniques et des innovations d'outils. Les innovations techniques comme le bois, par exemple, ou les façades, et les innovations d'outils, clairement, c'est le BIM. Après une visite sur chantier, une visite in situ, j'accueille Anthony Basile de la COPREC Construction. Je vous laisse peut-être vous présenter. Bonjour, Anthony Basile, je suis directeur développement du métier de contrôle technique chez Socotec et représentant à la COPREC. Qu'est-ce que c'est que la COPREC Construction? Alors la COPREC est l'organisme qui nous représente notre profession de tierce partie. Donc on a vu dans la vidéo l'importance du BIM, Building Information Model. En quoi cela importe pour le contrôleur technique en vue de la qualité des constructions? Alors, depuis 2016, un livre blanc a été réalisé entre Socotec et le CSTB et partagé largement par la COPREC sur l'utilisation du BIM dans notre métier. L'innovation est un sujet très très important sur lequel on est porteur. Et donc notre objectif est d'arriver à suivre le BIM et d'être 100% numérique sur nos métiers. Donc les grands sujets d'évolution de votre profession, c'est surtout autour du BIM, il y a d'autres domaines? Alors les innovations, c'est effectivement les outils comme le BIM, mais il y a également énormément d'évolutions techniques. Sur les nouveaux produits, les nouvelles technologies? Oui, depuis une vingtaine d'années, nous avons évolué dans le cadre des missions qui nous sont confiées. Les missions de base étaient la solidité et la sécurité incendie. En 2007, puis 2012-2013, nos missions se sont diversifiées sur l'handicapé, l'acoustique, la thermique, et puis nos vérifications aujourd'hui sur des domaines plus variés comme la structure bois, les façades, l'étanchéité. Alors vous êtes au sein de l'agence qualité construction, ici notre mission c'est quand même de réduire la pathologie. Mais comment le contrôleur technique peut réduire cette pathologie? Comment peut-il faire la prévention finalement? Alors le fondement de notre métier c'est l'analyse de risque. On se base sur une analyse de risque des dossiers en tant que tierce partie de confiance pour le maître d'ouvrage. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'évolutions réglementaires par les projets de loi ou les lois qui ont été votées. Et il y a entre autres cette notion de permis de faire, c'est-à-dire qu'on passe d'une obligation de moyens
à une obligation de résultat et on peut justement déroger à cette obligation de moyens à condition que les résultats soient au moins aussi performants. Comment s'inscrit le contrôleur technique par rapport à ces évolutions ? Alors, les lois dont vous parlez vont clarifier le rôle de chaque intervenant. Il est évident que le contrôleur technique a une part à jouer dans cette organisation. Sur la sécurité incendie et l'accessibilité handicapée, évidemment, il y aura un impact énorme. Et évidemment, nous sommes porteurs sur ces sujets-là pour accompagner les maîtres d'ouvrage. Alors, sachez aussi qu'il y a possibilité de poser des questions par les réseaux sociaux avant l'émission. Hein, on envoie un certain nombre de messages. Donc, on en a reçu une pour vous, Anthony Bazzi, par les réseaux sociaux. Je vous la lis. Hein. Pourquoi un contrôleur technique s'évertue à appliquer strictement les articles du règlement de sécurité, sécurité incendie, hein, avec sa propre interprétation ou celle de sa structure, alors que la réglementation n'interdit pas d'autres approches? En résumé, est-ce que vous êtes juste là pour cocher des cases et signer des plans? Alors évidemment non, nous ne sommes pas cocheurs de cases. Il existe aujourd'hui des cas de dérogation et de possibilités de dérogation dans les règlements de sécurité incendie. On a la possibilité d'intervenir sur de l'ingénierie, notamment sur du désenfumage, sur des façades. On parlait tout à l'heure de l'IT 249. On a énormément de cas qui sont traités en ingénierie et avec le CSTB sur ces sujets-là. Donc ça va s'amplifier avec les lois à venir. Merci Anthony Bazzi pour ce témoignage. Merci à vous. Alors on va continuer en vous présentant un de nos membres. Aujourd'hui c'est l'INES. On va avoir avec nous Bertrand Termoz-Lecierre qui va nous rejoindre. Avec nous donc Bertrand Termoz-Lecierre de l'INES. Je vous laisse vous présenter et nous présenter l'INES. Très bien, merci tout d'abord pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc je suis Bertrand Termoz-Lecierre, en charge de la partie commerciale au sein de la plateforme formation et évaluation de l'INES. L'INES, vous pouvez dire ce que c'est ? Donc l'INES, rapidement pour représenter, donc c'est un institut qui est composé et structuré autour de deux pôles. Un pôle recherche et innovation, composé de 450 personnes aujourd'hui, issues des équipes du CEA et de l'Université de Savoie, qui travaillent sur de la recherche appliquée avec des industriels. Hein, on a plus de 150 partenaires industriels. Autour de l'énergie solaire. Alors voilà, les thématiques abordées, tout à fait, c'est l'énergie solaire. Donc que ce soit thermique, photovoltaïque, et aussi, à ne pas oublier, toute la partie performance énergétique des bâtiments et des territoires. Donc pour finir, la deuxième partie, le deuxième pôle de l'INES, c'est la plateforme formation et évaluation, dont je fais partie, qui est une structure associative d'aujourd'hui 30 personnes, avec des missions de formation professionnelle, donc formation à la pratique du geste sur nos plateaux techniques. On insiste beaucoup là-dessus, hein, c'est très important aujourd'hui de former sur des installations réelles. Et on a également une plateforme e-learning. On réalise également des expertises du suivi et de l'audit d'installation à destination de l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis on développe des outils numériques qui sont donnés à disposition des acteurs de la filière, comme l'outil AutoCalSol et des outils de dimensionnement qu'on met à disposition sur notre plateforme. D'accord. Alors pourquoi avoir adhéré assez récemment à l'Agence Qualité Construction ? Oui, alors ça fait 2 ans qu'on est adhérent à l'AQC. Le rapprochement s'est fait assez naturellement suite à des rencontres avec notre délégué régional basé à Lyon, Sylvain Manguilly. Et de là, nous, notre mission, c'est vraiment de fiabiliser la filière pour l'ensemble. Et on rencontre beaucoup d'acteurs de la filière. Donc, du coup, assez naturellement, on s'est rapproché de l'AQC et on a beaucoup d'actions communes aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, quels sont les travaux communs avec l'AQC et tous ses adhérents, finalement ? Alors, depuis 2 ans, beaucoup d'actions se sont passées. On a organisé des visites au sein de nos laboratoires et de nos installations, que ce soit pour des experts de la construction de l'AQC, des experts juridiques, des assureurs. Donc un ensemble d'acteurs qui viennent nous rencontrer. On participe à des réunions et des groupes de travail sur la thématique solaire. Et on a participé à l'élaboration du guide autoconsommation photovoltaïque. D'accord. Un petit mot sur le projet Eneralp. Alors, Enerbalp, c'est un projet assez transversal pour nous, un programme de 3 ans financé par le CGET, qui est le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Le but, c'est de promouvoir les ENR et les bâtiments performants dans les milieux alpins.
Donc, quatre axes de travail autour de ce programme. La formation, bien sûr. L'innovation, le suivi, donc on va instrumenter des sites et en tirer des conclusions. Et puis la diffusion de ces enseignements au maximum de personnes. Et donc toujours pour le but, hein, c'est de vraiment de promouvoir les énergies renouvelables, de fiabiliser, de mettre les acteurs autour de la table, d'identifier les éventuels freins et trouver les solutions ensemble. Merci Bertrand Termoz-Lossière de l'Institut national de l'énergie solaire. Il est temps de conclure notre émission. Je voudrais déjà vous remercier d'avoir assisté et participé derrière votre écran à cette émission. Je voudrais remercier aussi ceux qui, de notre côté, sont derrière les écrans, Davy Michalet en particulier, et puis Nisrina Benfrage qui nous a aidés. Sachez que l'émission sera disponible sur notre chaîne télé YouTube AQCTV à partir du début de la semaine prochaine, donc vous pourrez la regarder et la diffuser. Prochain rendez-vous le vendredi 7 décembre, dans le temps de midi, pareillement, pour des sujets d'actualité. Voilà, et pour conclure, comme toute bonne émission télé, un petit clin d'œil météo, parce que le week-end promet d'être beau, donc je vous promets, et je vous espère un beau week-end ensoleillé. Et pour conclure et terminer, notre éphéméride, en souhaitant une bonne fête à toutes les flores. Merci, au revoir.